Non, c'est long. Du 48 ans quand même là. Ah, j'ai 27 ans moi. 28 en octobre, 21 si ça vous intéresse, vous le notez dans votre calendrier et vous me souhaiterez un bon anniversaire à ce moment-là. Fait toujours plaisir. C'est ok contre Fiora? Non. Oh oui, c'est très très ok. En fait, t'as un bon kiting contre Fiora. C'est beaucoup plus chiant Irelia parce qu'elle a vraiment moyen de te choper. Et si tu prends un E, t'es dead. Par contre, après c'est comme Darius, hein, tu te prends pas les E et tu meurs jamais. Genre, le match-up est ultra fine. Mais je me les prends tout le temps, du coup, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on peut faire. Ouais, Vayne c'est chiant, mais tu la bats. Si tu joues bien une Vayne, tu perds juste un tout petit peu l'early. Un peu dommage de le laisser. Mais bon, il a FK notre mid. Bon, petit game contre un Gragas. Oh, il m'a fait peur de ouf. Il a juste fait sa petite proc de. Il a fait juste proc. Comment? Son mana flow. J'avais un timing back en vrai, j'aurais dû. Perdu un peu d'HP pour rien. Par contre, il va sûrement m'attendre encore dans le bush. Ils ont l'information que notre jungle start topside. C'est une très très grosse info pour eux. Nous, on n'aura aucune information. Parce que de toute façon, notre mid et notre bot lane étaient tranquilles. En train de chill pépouze. Je peux pas faire un gros pool, il faut que je fasse tout le tour. Pourtant, Yorick est vraiment bon à TM avec son buff. Je ne sais pas. Alors, s'il se le fait-il par un Q-spell, Gragas. Ah, il m'a vraiment entendu dans le bush. Ah, par contre, c'est un peu idiot quand même. Tu voyais bien que je faisais le tour. Il a l'avantage d'avoir une ward. Ou dans ces cas-là, tu m'attends. Ah, bref, c'est pas gênant. Mais du coup, ouais, Urgot il est toujours fine en vrai, même s'il s'est pris un petit nerf sur le Z, ça va rester ok, non? Bon, Gnar contre. Enfin, contre. Gragas, c'est free match-up dès que j'ai les bots. En early game, c'est le seul moment où il peut te battre. Mais sinon, en vrai, dans l'ensemble, ça va. Merci Gotham pour les 50 mois! Quand je vois des 50 mois et tout, je me dis, ouais, ça commence à faire longtemps que vous me supportez quand même le chat. Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Ok, il a 8 CS. On va jouer au farming. On va jouer au farming notre petite lane. Donc chaque petit deny compte. Je sais pas si ça va être un Gragas tank ou AP. Tu peux faire les deux, mais vu la compo, ce sera un Gragas tank. Je vois pas trop l'intérêt d'un. Ah, je pouvais pas utiliser mon jump pour last hit parce que là, si le Olaf il vient, déjà je suis un petit peu greedy en placement. Ah, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans les parages. Ah non, il est bot side. Il est bot side. Petit coup de tourelle pour bien se chauffer. On est bon! Ah, c'est dommage d'avoir la vision sur le Olaf et de mourir. Ça veut dire qu'il a cru qu'il gagnait le trade, mais il l'a perdu. C'est pas lui que je voulais taper. Une hitbox imposante, le Gragas. Non, monsieur. Dommage. Dommage, dommage, c'était pas mal. Ah, c'était un grinder par contre de rester. Il s'est vraiment dit, oh franchement, I'm chilling. J'ai plus de flash, plus d'HP, ma lane est en train de se faire push et je vais pas me prendre un dive. Dive au bout. Nice, bonne première game en tout cas. Pour l'instant, on le pulvérise au farm, on le loud trade. Et mon jungle réagit correctement. T'aurais peut-être pu TP. Oh, un TP, pff,
fait trop mal de téléport pour mes teammates. Non, on va prendre... Ah, on peut prendre les bottes de Mercure, ça va. C'est pas un crime contre l'humanité de partir sur des bottes de Mercure dans cette game. J'étais en mode peut-être des tabis ninja, mais il y a un Sylas, Lulu, tout ça, bon. On prendra de l'armor après, de ces plaques du mort. Peut-être en 2-1. Je sais plus si Jinx ça joue... Si, ça joue full crit, Jinx. Merci, Météor. Merci pour les 40 mois. Et merci, Sanjisan, pour les 25. Ça va super bien. Là, il faut de la mobilité face à un Gragas. C'est la clé de la victoire, la mobilité. Parce que comme ça, il peut pas vous balancer des gros A. Et avoir un peu d'RM, ça sera très bien. Contre Olaf aussi, c'est la clé d'avoir de la mobilité, d'ailleurs. Ça tombe bien. Merde. Le farm aussi, c'est la clé. Alors ça, mon gars. Il est mort, hein. Je sais pas à quoi il pensait. Genre il s'est vraiment dit, tiens vas-y c'est le moment de trade là. Je vais push la lane. Ok, il a envie de push avec moi, ça me va. C'est parfait. Parce que là je veux juste avoir du stuff en fait. Attends, je peux prendre une plaque. Je sais que c'est un peu gridou. Si l'Olaf arrive, bah rip, mais... Petite plaque. Pour le plaisir. Il vient de faire le Drake. Ouais, mais tu crois que j'ai vraiment une vision de jeu, moi? T'es fou. Ok, on prend la mobilité plus que les damages. Même si les damages sont quand même un petit peu présents. Et surtout, avec un peu de mobilité, bah on peut plus facilement choper notre adversaire. Mais bon, elle est game over la game, mais en vrai ça va, je suis content de ma première game. Je peux rien faire face à un Lulu Olaf, genre un Olaf Fed avec une Lulu, et bah bien joué, genre juste. En plus il y a un Sylas en face qui va voler mon ulti. Juste manque de respect de la part de ma bot lane, j'imagine. Ok, il y a le Gragas qui est là-bas, on a vu la plante s'activer. Ah là, Olaf il va courir tout droit dans la game. Une belle game de top laner, j'ai envie de dire. C'est dommage, parce que vraiment mon adversaire c'était. Bon, c'était pas un sbire canon, mais pas loin quoi. C'était peut-être deux sbires canons, tu vois. C'était plutôt simple. On n'avait pas trop à se prendre la tête. Enfin, je préfère ça comme genre de game pour commencer la journée, mais... Non, le full combo, ça le faisait pas forcer le back. Il avait appuyé sur sa touche magique Z. Je pouvais pas faire grand chose. Avec un ultimate, je le tuais pas. Enfin, je le mettais même pas mid-life. C'était pas fou. Là c'est bien ce qui fait le voli. On va essayer de récupérer une petite plaque. Ah, tu vois par exemple, ça en termes de move éclaté qu'il vient de nous faire, c'est incroyable. Le trade était déjà si nul de base, genre... Incompréhensible. Et là du coup on a le héros de la faille. Le trade est tellement éclaté, genre son ultimate, je suis en mode oui ouais. Parfait hein. Du coup on a encore une possibilité de gagner la game peut-être hein. On a quand même un mec qui int fort 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 en face. Je suis un tout petit peu. Je peux pas téléporter. Hein. Je voulais essayer, mais compliqué de téléporter là. Pff, voilà.
Ah, bot lane a trop run down et du coup maintenant ils ont plus besoin de respecter. Ils ont plus besoin de respecter quoi. Par là, il faut aller vers lui, Ah non, mais il faut pas. Ouais, juste. Tu sais que le Olaf il est topside. Enfin, botside. Ok, ça touche pas. Ok. Pas une vraie grosse téléporte à faire. Non. Quoique. Est-ce qu'il va la voir? Il y a le Voli qui est pas loin. Ok, go. Ok, go. Non, il s'enfuit juste. On est bon. J'allais dire, le Graias, on peut peut-être le choper également. Merde. J'ai pas pensé, genre, j'étais trop bête. Voilà, je vais vous faire 2 kills, plus une interrupte. Je sais pas ce que je voulais faire en plus. Même si je claque mon meilleur ulti, il s'en bat les couilles. Genre, il y a la Lulu qui est à côté et je peux lui mettre mid life grand max. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est gentil, hein. C'est gentil, Shane Silver. Dommage. Là, je veux trop. Là, je me connais. C'est le moment où je veux trop forcer pour essayer de jouer la game, mais. Mais il faut juste dire, bah c'est pas grave, on va essayer de faire des petits moves, perdre petit à petit la game, mais faut pas que je force des trucs parce que ça sert à rien. Forcer va faire que de perdre davantage. Genre, ils ont créé un monstre, on peut pas jouer contre un monstre, il y a une Lulu pour aller avec lui, bah bien joué, genre. Juste c'est des games où tu pourras pas impacter suffisamment, genre. Ils vont jouer aux jeux vidéo en face. Même si ils avaient une game potentiellement 4v5. C'est comme ça qu'on reconnaît une bonne game. Une bonne game de top lane. Mm-hmm. 70 mois, c'est beau. 69, c'est déjà pas mal, hein. 70, encore plus. Ah, j'avoue que c'est insane. Merci beaucoup pour tout le soutien, toujours, vraiment. Je me répète sans arrêt, mais... Mais ça fait super plaisir. Il est catastrophique le père Grady. Il est catastrophique. Par contre, ouais, plutôt que faire le gromp, genre on pouvait le tuer. Mais... Ah mais il reste le Gragas. Oh tu le tues. Parfait. Oh nice Yone. Oh le Yone. Yone King. Il a réussi à faire un double kill. Et du coup, attends, mais il a eu les 1000 gold là. Oh, Yone 1000 gold. Ah, ça, c'est notre seule chance. C'est que le Olaf int par contre. On prend la tourelle mid là-dessus. Nice, on a pris T2. T1 mid. Peut-être pas T1 mid. On va faire mal, elle. C'est... Game round 20, on a dit. Je connais toujours pas les items AD, c'est très très grave, mon cerveau. Tu sais, je regarde en mode, ça fait des crits, ça. Ok. Vas-y, c'est pas une game où je vais faire Sterak, je pense. Ou du moins pas en deuxième item. On va devoir être vide tanky, quoi. Salut, Gino. On est pas mal. Vous avez fait crash le site Gaming Squad? Sérieux? Bah bravo, chat. Bah bravo. D'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce qu'on pourrait pas être un tout petit peu plus. Un peu plus dans le coin?
On lui dépasse la cam, ça va me trigger. Mais... c'était calculé que je perde ce sbire canon. Vous inquiétez pas. Ok, j'ai rien gardé de la minimap. Mes deux scomping ils sont topside. Il mieux sur ma téléporte. Pourquoi tu la trade, genre? Ok, voilà, faire descendu. Ils vont push mid. Je vais juste push cette wave. Et on va redécaler. Après, même en décalant, je pense qu'on peut rien faire. Oh non, par contre. Non, mais en plus, vous pensez vraiment défendre la mid lane, mais. Bon, après, j'aurais dû leur ping, mais my bad là-dessus. J'y ai pas pensé. Mais j'avais même pas vu qu'ils pensaient sincèrement pouvoir défendre. Bon, attends, ils vont me foncer dessus là. Non. Ah, je peux rien faire, faut que je me casse. Ils vont me foncer dessus. Bon, on a perdu la tourelle d'inhibiteur, ça pique. Tu peux expliquer le rendu 1 crit. Une Jinx fête justifie ce choix. Bah, Jinx plus Olaf, ouais, je pense qu'on est, on est pas mal. Un petit peu de tankiness. Bah, en fait, à place, c'est plaque du mort, tu vois. Ou côté pineuse. Mais le rang 1 contre un personnage comme Jinx, où tu peux l'empêcher d'avoir de la mobilité, c'est quand même sympa aussi. Dommage, je le loue. Après, est-ce qu'on aurait vraiment pu... C'était peut-être un peu deep. Par contre, c'est dommage que je perde mon jump, parce que j'ai besoin d'un jump. Ok, il a bien joué le Volibear. Le Voli a bien joué de ouf. Le Lyonnais joue bien. Et on a un sbire canon range, mais très range. Bon, on va faire avec. Trois bons joueurs, ça me suffit pour gagner une game. Après, quand je dis trois bons, ça veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, la botlane. Mais sur cette game, ils sont mauvais, donc... Donc là, on a 32-1. Maintenant, je vais faire la côté pineuse. Et après, peut-être Sterak, tu vois. Je pense pas pouvoir partir trop sur de l'ARM, mais en même temps, le top laner, il est sur un stuff aléatoire. Leur mid, bon, même si c'est les... Enfin, c'est des stuffs qui sont jouables, mais ils sont pas bien dans la game, donc c'est pas vraiment... Non, en vrai, lui il a pas d'excuses. Il avait... Non. C'est pas un stuff réglementaire dans cette game, je trouve. Merci, Bachananas. Tu fais un mauvais early game, tu peux clairement faire une rotation en tank, et tu seras plus utile largement. Un Gragas AP top, c'est déjà moyen, même si c'est pour le CC, là, qu'il a pris ce stuff. Mais un Gragas qui est mal dans sa game, c'est... Yep, j'ai un peu changé la cam, elle est mieux normalement là. Enfin, à vous de me dire, hein. Ça se trouve c'est moins bien. Mais... Le Lito Pastron se fait sur Gnar, yes. Mais là, il me faudrait peut-être un Sterak quand même. Après deux Itamar mort, je pense que les HP plus un peu de damage. Surtout bah, le shield que ça apporte, ça peut toujours être value. Ça c'est compliqué. Je sais pas comment on se retrouve avec aussi peu de visu et aussi push mid lane quoi. Mais bon, il va voler mon ult. D'accord, ils ont la visu ici. J'ai eu chaud, hein. Il a vraiment trollé le Yonnais à d'abord utiliser son volage d'ulti plutôt que de jump. Bon, c'est beau de ouf. Bon, l'ulti était clean. L'ulti était archi clean.
on a assez de mobilité pour que je n'ai pas à flash. Ok, juste qu'il fasse des petits détours, ça me va. Et on est bon. Oh, l'ulti Séraphine fusionné, c'était magnifique. Hein. Merci Team Titan. Magnifique. Le Olaf était pas du tout en position pour pouvoir faire quoi que ce soit. Je suis pas sûr qu'on... Ouais, tout tanky. Rien n'est perdu d'avance. Non, j'avoue, mais... Ça part du move mid. Bon, après, je m'en doute pas que mon midliner a très bien joué, mais... Je pense qu'il y a aussi un truc de... Putain, ils étaient tellement... Encore trop présents dans... Dans le bot, ma bot lane, là. C'était trop extend. Mais mon Yone a fait le taf de ouf, mais je sais pas ce qui s'est passé mid pour qu'il y ait un int, mais... Ça nous a comeback de fou la game, hein. Genre, il a eu quoi, 1400 gold, un truc comme ça? Non mais en fait, moi, je me base toujours du fait, mais c'est vrai que faut pas oublier que si j'ai des singes dans mon équipe, il va y avoir des moves singes aussi en face, tu vois. Genre je suis toujours en mode, bah ouais, mais j'ai pas le droit de faire d'erreur, mais si en vrai, tu vois, j'ai fait une vieille erreur totalement débile, mais en face ça peut aussi. Moi dans ma tête, j'étais en mode, bon bah go next, de toute façon le Olaf est pixel, GG à lui. Et non. Et nous. Oh nice. Ah voilà. Voilà, Jinx était mal placé en vrai. Là par contre la botlane qui se fait autant camper pour faire des moves comme ça. On en parle de ton Dashin sur la Flulu. Bah c'est exactement ce que... Enfin, active le son quoi. Faut mettre le son, monsieur. Ok, monsieur, pardon. Solide. Putain, Yone, c'est beau. Hein. Ah, il l'a vu en plus, il a essayé de dodge, mais il était en mode coincé. Compliqué. Il manque pas beaucoup de thunes en vrai. J'aimerais bien juste que le support arrête de prendre tout le farm. Ah non mais merde, c'est vrai, c'est le... J'étais en mode attends, mais il y a une Senna, c'est peut-être pas le... C'est peut-être pas le support. C'est vrai que c'est notre AP en fait, j'ai rien dit. J'ai quand même pas les thunes du coup. Bon tant pis. C'est pas très grave de pas terminer l'item, faut que je sois avec mon équipe là. Payeuse ma téléporte. Ouais, faut que je sois un peu sur le side. Oh, go. Faut aller le chercher dans ces cas-là, les potes. Por favor. Pourquoi ma team est pas déjà en route? Bon, il dodge tout le temps. Ah bah. J'étais en mode, il va le dodge. Ma team aurait déjà dû être là. Hein. Bon, je pense qu'on le chope quand même, mais... Ok. Bon, allez, elle est morte. Regardez s'il va être là. Oh, t'as pas dodge ça. Bon bah, elle va mourir aussi, j'imagine. Mais mec, le Gragas il like, c'est pas possible. Fais un effort. Ça va, la reine, calme-toi. Je suis pas en range de. Oh, j'ai trop le seum. J'étais pas en range à un petit pixel. Ah, mais j'avais peut-être l'item qui était re-up. J'ai pas fait gaffe. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, la scène. Ah oui, mais c'est juste que s'il se dépêchait un peu, on était largement dans les temps pour buter le Sylas et du coup, personne ne mourait. On faisait un kill pour zéro et on était en position de force. Là, on perd un peu le temps, quoi. C'est ça qui est dommage. On a un kill et on se casse et on est content, tu vois.
Ouais, l'ulti, je pouvais pas ramener un tout petit peu plus parce que le jump m'a bloqué avec le... les trappes, mais bon. Is ok. Après, ils ont rien dodge, oui, ouais. Ils ont pas eu envie de dodge ma botlane. Ce qui est fort, c'est que le Gragas a tout loupé et a réussi à même louper son activable. Genre, il a fait son E, il a arrêté, il a activé l'item. Tu sais, il était comme ça sur son clavier en mode. C'est quelle touche déjà pour activer l'item? Comment on joue déjà? Je suis prêt. Des gens différents. Il est pas bien réveillé, il a pas pris son petit café. On a téléporte, on a un flanking pas dégueulasse en vrai, la ward est propre. Mais il n'y a pas Lyonnais. La ward est plus propre. Ok. Ah merde, il continue de fight. Ah mais la, enfin la téléporte est loin quoi. Bon bah top diff. Ok les gars, ouais je téléporte là, ouais on my way. Ok, faut tuer qui là? Personne. Ok, bien joué team. Ça c'est une équipe, ouais. Comme ça qu'on joue, ouais. Je crée un speed push, vous tuez tout le monde et on finit la game, ouais. Parfait. Un peu de respect pour ses adversaires. Non mais j'avoue, il a fait une mauvaise game. Il a fait une mauvaise game, le Gragas. C'est marrant, il se respecte un peu aussi. Eh bien GG. GG, GG. On a bien carry. En vrai, bon, j'ai quand même honoré le mid, mais le Voli a été ultra chaud. Aussi. Il a été bon. Petit 19 LP qui fait plaise. Pas un main top. Ça se tient alors. Ça se tient, ça se tient.